Vous pouvez le voir derrière moi, de la fumée s'échappe encore des cendres de l'entrepôt de stockage de déchets qui a pris feu il y a de cela 8 jours. Depuis l'incendie, la compagnie Atmosud, qui a été mandatée par la préfecture pour contrôler la qualité de l'air autour du site, a enregistré pas moins de 3 pics de pollution, dont le dernier, pas plus tard que ce week-end. Dès que le vent est tombé, on a eu donc ce qu'on appelle un épisode de pollution, c'est-à-dire on a eu une élévation donc significative des niveaux de polluants que l'on mesure à proximité donc de l'incendie, et ça a perduré jusqu'à ce que donc les pompiers aient complètement donc noyé donc le matin du vendredi donc le feu, où les niveaux donc sont redescendus donc à des niveaux donc acceptables. Au niveau des particules donc en suspension, on a observé au fait des niveaux sur une moyenne horaire, bien entendu, qui sont 2 ou 3 fois donc plus élevés que lorsqu'on est donc en situation de trafic à Marseille, par exemple. Atmosud va laisser fonctionner ses 6 appareils de mesure répartis tout autour des lieux du sinistre jusqu'à la fin de la semaine, avec selon eux la crainte de voir d'autres pics de pollution aux particules d'ici là.